Bonsoir, alors ce soir, Cyril Hanouna a encore réussi son coup. TPMP est en top tweet, suivi de Macron, top chef et troisième, et Bellatar, Yacine Bellatar, est en quatrième position. Et attention, parce que c'est juste, bon, je pense que d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes, Bellatar va être en deuxième position, puisque bon, bah, ce soir à TPMP, donc vous aviez Myriam Palomba face à Yacine Bellatar, donc bon, bah. Cyril Hanouna avait bien préparé son coup, il sait ce qu'il fait, hein. Il sait très bien que Myriam Palomba face à Yacine Bellatar, ça va faire de l'audience, donc après ce qu'ils peuvent raconter, je pense qu'ils s'en foutent complètement, hein, du moment que ça fait de l'audience. Donc elle est complètement bloquée sur l'histoire du masque et du pass vaccinal. Il faut juste savoir un truc, le pass, ça y est, on n'en parle plus, le masque dans la rue, voilà, juste un petit truc. Alors moi je ne vote pas, j'aimerais juste savoir, parce que bon, elle est contre Macron. Je veux bien, chacun son truc, mais comment auraient réagi les autres candidats face à la pandémie? Et ça, on n'en sait rien. Et donc, on a l'impression que Marine Le Pen ou bien Jean-Luc Mélenchon ou n'importe qui auraient mieux réagi que Macron. On n'en sait rien du tout. Donc, mais bon, elle est bloquée sur son histoire de masque. Lui, il était là pour faire de l'anti-Marine Le Pen. Donc, bon, bah, il a toujours été comme ça, hein, bon. Il s'est frité avec Nicolas Pernikoff, hein, donc voilà, tu me parles mieux, tu me regardes quand tu me parles, donc bon, on sentait que voilà, il a sorti une phrase, bon, on va dire à peu près audible, en disant que TPMP, c'est vrai, avait créé des bêtes, voilà, donc c'est vrai que bon, Cyril Hanouna a quand même réussi à créer des Divisio, des Palomba, des Verdez, comment dire, même si. Vous qui écoutez ma vidéo, êtes pour eux, mais ce sont des gens que Cyril Hanouna a créés pour faire de l'audience. Donc voilà, donc c'est pas. Après, donc, chacun ses opinions. Donc Myriam Palomba a quand même réussi à placer le mot ségrégation. Donc je ne sais pas si c'est un petit jeu qu'elle a fait avec sa famille, mais je ne pense pas. Donc voilà, donc elle est vraiment dans les extrêmes donc, par rapport aux mots. Donc Cyril Hanouna a voulu, comment dire, un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça, parce que c'est vrai que bon, la ségrégation, etc. Ça commençait à aller mal. Bon, après, ça a continué. Toc, toc, pour Le Pen, contre Le Pen, contre le masque, gna, nos libertés, gna, etc., etc. Donc, bon, voilà. Donc, ça change pas toujours avec Myriam Palomba. Donc, voilà. Allez, sinon, pour finir, bah, le t-shirt Tout sauf Macron ou Tout sauf Le Pen. Voilà, sur le site trobmignon.com, le lien sous la vidéo. Et puis, bah, pour vous abonner à la chaîne, c'est en bas à droite. Allez, bye bye.